Hey les potes, j'espère que vous allez bien. On est reparti sur Doliprane, la future légende des Orzea. Et on avait terminé le manoir des Hawks dans l'épisode précédent, épisode très mouvementé d'ailleurs, hein, comme vous avez pu le voir avec les trois autres singes là. Mais du coup, on est reparti sur une autre portion de l'épopée. Mais avant tout, on va déjà faire la quête niveau 40 de Paladin. Parce qu'il faut la faire et parce qu'elle me débloque aussi la suite de mon combo en zone là. Ça fait un moment que je voulais ça en fait. Ça fait un long moment que je voulais ça même. Ah bonjour Douli, j'entends beaucoup parler de vos exploits ces temps-ci. Mais peu de personnes ont autant l'esprit chevaleresque que vous, et soyez assurés que j'en tire une grande fierté personnelle. Oh, t'as rien glandé, hein. Vous m'avez prouvé que vous étiez digne de confiance, il est donc temps pour moi de vous dire la vérité, même si j'éprouve à la fois honte et colère rien que d'y penser. Vous vous souvenez sans doute de l'histoire que je vous ai racontée la dernière fois au sujet de l'épée sacrée? Ouais, vite fait, je suis un peu saoulé donc bon voilà. Bien l'homme qui s'en est emparé, le traître qui a discrédité les casques d'argent, n'est autre que mon prédécesseur, le capitaine Sol. Oula. Sol. Oula, quoi? Solgskajkikin. Oui, vous avez bien entendu, il est imprononçable. Le héros de ma jeunesse, celui qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. À mes yeux d'enfant, c'était un véritable paragon de discipline, une âme vertueuse, le paladin idéal en somme. Et tout a changé après la victoire politique des monétaristes sur les partisans du sultanat. L'autorité de l'armée s'est immédiatement vue remise en cause et Sorkhuturchne, qui craignait d'être remis de ses fonctions à la tête de la garde royale, s'est évanoui dans la nature avec l'épée sacrée. Bah, donc c'est Excalibur celle qui avait. En rompant son serment à la sultane, il a jeté le discrédit sur tous les paladins. Ma mission en tant que capitaine est de lever cet affront, de laver cet affront et de rétablir l'honneur des casques d'argent. Même si ma colère envers celui qui m'a tout appris est immense, je ferai tout pour ne pas avoir à le pourfendre de mon épée. Je dois l'attraper vivant et le traîner devant la justice pour qu'il avoue son crime. C'est un dur à cuire, mais je suis sûr de mon bon droit. Et je ne crains pas de mettre ma vie en danger pour obtenir victoire. Et il n'en reste pas moins que cet homme est un combattant hors pair et qui a commandé les casques d'argent pendant plus de 30 ans. Même en utilisant nos forces, vous et moi aurons beaucoup de mal à venir victorieux d'un combat contre lui. Encore plus de le capturer. Voilà pourquoi j'ai besoin que vous gagniez en puissance et justement préparer un exercice à cet effet. Cette fois, vous allez devoir tuer des poissons carnivores appelés l'épidote. Poissons carnivores. Les trouverez dans le Tanalan oriental, à la rivière de Yugram. Utilisez la torche en métal que mes hommes ont installée sur place pour les attirer. Sachez que pour votre gouverne, ces créatures sont particulièrement féroces. Elles ont même réussi à éliminer tous leurs prédateurs naturels. La bataille s'annonce difficile, mais si vous laissez les paladins de jadis vous guider, vous pourrez atteindre de nouveaux sommets de sagesse. J'ai toujours l'impression qu'on va tuer des pauvres bêtes qui n'ont absolument rien demandé. Allez, elle est presque arrivée. Bah, ça doit être là. Il y a bagarre évidemment. On s'attendait. On est là pour ça. Bon, je vous épargne ça. J'ai dû aller à l'autre bout de la map pour tuer trois pauvres poissons et j'ai dû revenir, voilà. Super. Une fois de plus, vous n'avez eu aucun mal. Une fois de plus, vous n'avez eu aucun mal à vaincre vos adversaires. Je constate également que votre cristal émet une vive lueur. Votre esprit est entré en symbiose avec les paladins de jadis. Leur savoir devrait faciliter l'acquisition de cette nouvelle technique. Vos progrès sont remarquables. Bon, blablabla, allez, donne. Voilà, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est être chevalier noir. Voilà, on peut faire la toupie maintenant. Trop bien. Ok, et niveau 45, il y aura ce qu'on appelle les équipements artefacts. Donc, en fait, c'est les équipements qui représentent les jobs tels qu'on les connaît dans les FF. Par exemple, lui, il a des pièces, les pièces bleues là. Ce sont des pièces justement qui sont que pour paladin et ça représente vraiment l'armure typée paladin qu'on voit en général dans les FF. C'est ce qu'on va voir aussi du coup niveau 45 et 50. Même si je préfère évidemment celle du chevalier noir, on va pas se mentir. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Et du coup maintenant on était sur Gridania toujours pour conclure avec l'histoire de Dame Amandine là du coup. La petite toupie là qui fait plaisir là. Ah oui, c'est vrai que c'est le saut celui-là. J'aime bien celui-là en plus. Ok, du coup. Hop, on va retourner là. Alors je vais pas trop m'avancer, mais d'après le level de l'épopée, la prochaine. Alors c'est bizarre ce que je veux dire. Mais une des intrigues de la prochaine épopée, ça tournera beaucoup autour du fromage et du vin. Voilà.
Ouais, pas très épique comme ça, mais. Mais bon. Je vois que vous êtes blessé. J'ose à peine imaginer ce qui a dû se passer à l'intérieur du manoir. Bah non, souvent, ouais. Dites-moi, avez-vous Dame Amandine? Bah ouais, elle est morte. Elle s'est donc alliée avec des forces démoniaques. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. La pauvre s'est laissée envahir par le ressentiment et la haine. Peut-être que si j'étais resté à ses côtés. Je ne sais pas si les hommes masqués que vous avez rencontrés sont ceux qui ont conduit Dame Amandine à la démence, mais ils appartiennent sans doute à la même organisation. Promettez-moi que vous leur ferez payer leurs crimes à la première occasion. Quant à moi, il est temps que je me rende aux autorités et que je leur raconte mon histoire. Si j'avais eu le courage de partager mon secret plus tôt, ces jeunes femmes seraient certainement en vie aujourd'hui. Je prie pour que les dieux aient pitié de mon âme. Ah frérot, c'est fait maintenant malheureusement, j'ai envie de dire. Ah, faut retourner voir Minfil, yeah. Ok, bah let's go. J'ai l'impression que j'ai encore me trimballer longtemps ma pousse là sur la tête là. Mais bon. Ah, tant que je suis pas Shadowbringer, je crois que la pousse elle reste, je crois. Même après peut-être. Adouli, il m'est tardé de devoir revenir. Dis-moi, comment s'est passée ton excursion dans la forêt? Bah écoute, je te raconte tout. Hein. T'as rencontré des sbires de l'Abrea? C'est mauvais signe. Les Asiens sont passés à l'action pour de bon. Le problème, c'est qu'on ignore toujours ce qu'ils cherchent à faire. Toujours est-il que grâce à toi, nous en savons un peu plus sur la sombre menace qui plane au-dessus de nos têtes. Si seulement nous étions plus nombreux, nous ne pouvons pas protéger un territoire aussi vaste qu'Orzea à nous seuls. Nous devons alerter les trois grandes cités de l'existence de cet ennemi invisible et de leur demander de renforcer leur vigilance. La misère et le désespoir sont le lot commun de la majorité des Orzéens et les Alsaciens n'hésiteront pas à s'en servir pour accomplir leur dessein. La tâche qui nous incombe est immense et complexe, mais nous ne pouvons surtout pas baisser les bras, car c'est justement ce que l'ennemi espère. Bon. Maintenant que la lumière est faite sur cette affaire, nous pouvons clore l'enquête et passer à autre chose. J'ai justement eu vent des nouvelles peu rassurantes à propos des primordiaux. Mais bon, je pense que ça pourra attendre un moment. Souffle un coup et reviens me voir quand tu seras prêt. Je le suis, hein. Genre, je vais juste venir... Entre deux discussions... Allez, c'est bon, je suis prêt. Monde réuni. Nous avons reçu un ordre de mission de la part du Maelstrom. J'imagine que ça a un lien avec l'épais dossier sur les kobolds qu'ils ont envoyé récemment, je me trompe? Oui. Enfin, pour être plus exact, il s'agit d'une requête qui découle des résultats de ce rapport d'enquête. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ce que je vais vous dire est très important, alors écoutez-moi attentivement. Les kobolds ont invoqué Titan. Titan, let's go. Les généraux du Maelstrom ont mis sur pied un corps expéditionnaire. Et ils demandent à ce que nous les assistions dans leur opération d'extermination. Ce n'est pas la première fois que la cité maritime est menacée par la divinité Kobold. Ah bon? En effet. Quelques années avant la formation du Maelstrom, les Kobolds et les Sawagin ont invoqué leurs primordiaux en même temps. Par chance, la troupe de mercenaires recrutée par l'amiral Merluib a réussi à les éliminer. Hein? Mais quelques jours plus tard, alors que tout le monde se croyait tiré d'affaire, les deux tribus barbares les ont réinvoqués. Heureusement, les effets de cette résurrection étaient temporaires, et les dégâts ont été limités. Cet exemple illustre toutefois la difficulté d'exterminer les primordiaux. Les hommes bêtes n'ont qu'à se réunir et prier pour qu'ils se manifestent à nouveau sur la terre ferme. Depuis ce jour, le Maelstrom surveille très attentivement les tribus barbares, et plus particulièrement les kobolds, et il semblerait que ces vermines aient décidé de remettre le couvert. Contrairement à Ifrit, on ne possède que très peu d'informations sur Titan. Les seules personnes qui pourraient nous renseigner sont les mercenaires de la fratrie des Gabiers, mais ils ont dit sous leur troupe il y a 5 ans. Par hasard. La bataille s'annonce terrible. Mais non, on va lui péter la gueule à Titan, là, et puis... Ouais. Même si tu seras accompagné du corps expéditionnaire du Maelstrom, ton adversaire n'en reste pas moins un primordial au pouvoir inimaginable. Et contrairement aux Sylphes, les kobolds refusent de communiquer avec les nôtres. Autant dire que les chances de résoudre le conflit pacifiquement sont minces. L'écho ne te sera d'aucune utilité cette fois. Seuls tes talents d'aventurier te permettront de t'en sortir vivant. L'enjeu est de couiller les moches. Le destin des Orzea dépend de l'issue de cette bataille.
Le danger est réel, et je comprendrai que tu refuses. Ouais, refuser ? Bah non. Acceptes-tu de nous aider ? Évidemment. Merci. C'est très courageux de ta part. Yashtola connaît parfaitement l'Imsa Lominsa, et elle a l'air plutôt bien informée sur cette affaire. Je pense que sa présence serait un atout non négligeable pour notre camarade. Bon. C'est vrai. Qu'en dis-tu, Yashtola ? C'était mon intention dès le départ. Merci, Yashtola. Bon, on va sortir le grand jeu. Vous pouvez compter sur le total engagement des héritiers de la 7e aube. Nous ne pourrons pas combattre à vos côtés, mais nous allons faire tout notre possible pour vous venir en aide. Sancred, Ida, allez au quartier général des grandes compagnies de vos cités respectives. Expliquez-leur notre situation et sollicitez leur soutien. Uriangée, je vous demanderai de bien vouloir contacter les élèves de Baldession ainsi qu'Alfino, si possible. Mais d'accord, tout le monde, quoi. Quant à toi, Papa Limo, je vais te demander de rassembler toutes les informations relatives à Titan. Les détails de l'opération vous seront fournis lors du briefing, au quartier général du Maelstrom. Et préparez-vous bien avant de partir. Et que la bienveillance du cristal vous protège. Et bah c'est parti. Allons-y. Alors. Salut aventurier. Quel bon vent t'emmène au quartier général du Maelstrom. Si tu veux rejoindre nos rangs, je te conseille de t'adresser à l'office du personnel. Ah, c'est toi l'envoyé des héritiers ? Autant pour moi. Enchanté de faire ta connaissance. Je suis Racha Treki, et c'est moi qui t'ai désigné pour te briefier sur l'expédition punitive contre Titan. J'imagine que tes camarades t'ont déjà mis au parfum, mais je vais quand même te faire un résumé rapidement de la situation. Notre cité est menacée par deux tribus barbares, les Shawagin et les Kobold. Ce sont surtout ces derniers qui nous causent des problèmes en ce moment. Jusqu'ici, ils se terraient dans leur territoire au nord, dans les mines d'Ogomoro. Mais nos rapports indiquent qu'ils se sont récemment mis en marche en direction du sud. Les éclaireurs ont découvert qu'ils extrayaient des grandes quantités de cristaux pour nourrir Titan et le garder en vie. Merci à vous, colonel. Je prends le relais. Ouf. Okay. Bonjour, madame. Quel plaisir de te revoir, aventurier. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Tes faits d'armes suscitent l'admiration de tous. Cette mission est cruciale pour l'avenir de l'Imsa Lominsa et peut-être même d'Eorzea tout entière. Je me suis dit qu'il valait mieux s'entretenir avec l'amiral pour obtenir des informations de première main. C'est imprononçable son nom de famille à Merlu. Comme tu le sais, l'Imsa Lominsa est assaillie de tous bords. La menace est omniprésente, que ce soit en mer, sur terre ou même à l'intérieur de la cité. Je sais que c'est une piètre excuse, mais c'est notamment à cause de cela que la reconstruction du pays n'a pas progressé aussi rapidement que prévu après le fléau. Nous avons dû mobiliser toutes nos ressources pour repousser les attaques des tribus barbares et déjouer les plans des pirates. Et comme un malheur ne vient jamais seul, nous avons perdu la fratrie des gabiers, notre plus grand atout face aux primordiaux. Et ce qui m'a amené à faire appel aux héritiers de la 7e aube pour endiguer la menace Titan. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il me semble que les kobolds et les limséens étaient liés par un pacte autrefois. Ils avaient établi que les hommes exploiteraient les ressources de la mer tandis que les kobolds conserveraient les ressources minières. Les kobolds ont invoqué Titan, c'est uniquement pour se venger des hommes qui ont trahi leur parole en venant piller les richesses du sol. Et maintenant, vous nous demandez de réparer vos bévues. Vous ne trouvez pas ça un peu facile ? Les insinuations sont une insulte à l'amiral. C'est rien, colonel. Qui plus est, Yashtola a raison. Je comprends votre frustration, mais ce qui est fait, est fait. Il est trop tard pour entamer un dialogue maintenant et je dois tout faire pour protéger les habitants de cette île. Excusez-moi, je suis allé trop loin. Je partage votre inquiétude sur la gravité de la situation. Titan a déjà commencé à aspirer les terres et les premières perturbations ont été observées au centre de l'île. À ce rythme, il ne faudra pas longtemps avant que l'Imsa Lominsa ne soit touchée à son tour. J'ai conscience du caractère incongru et égoïste de ma demande, et je te conjure de nous aider à sauver la cité. Pas de problème. Merci. Les troupes du Maelstrom sont actuellement engagées dans un conflit sanglant contre les Shawagin et il m'est impossible de leur ordonner de t'assister. Il va falloir que tu te débrouilles seul. Bon, sur ce, je dois regagner mes quartiers. Bonne chance. Même si les kobolds et les limséens étaient unis par un pacte autrefois, je ne pense pas qu'il soit possible de résoudre ce problème par le dialogue. A plus forte raison maintenant qu'ils subissent l'influence de leur divinité. Nous devons d'abord recueillir des informations sur ce primordial. Je propose que nous cherchions les membres de la fratrie des gabiers. Ce n'est pas parce que cette troupe était dissoute après le fléau que tous les membres ont péri pour autant.
Je ne sais pas si cette source est fiable, mais j'ai entendu dire qu'un ancien mercenaire de la fratrie avait été perçu récemment à la flotte de Grise. La flotte grise, pardon. La flotte grise, c'est dans la basse Nocea, me semble, non? Partons sans attendre, Douli. Ok, on y est. Ah oui! C'était assez long d'ailleurs, si je me rappelle. Pachoum va se régaler car c'est l'heure du déjeuner. Méchoui, fruits et biscuits, voilà ce qu'il va manger aujourd'hui. Tu vois pas que je suis en train de bouffer? Je te conseille de me laisser tranquille si tu veux pas finir en brochet et rôti sur la braise. Comme ce Méchoui. Quoi donc? Tu cherches un membre de la fratrie des Gabiers, tu dis? Oh, oh, je vois que ma réputation m'a précédé. Ah là là. Pas tous les jours facile d'être une célébrité internationale. Je me présente, Trachum, le plus grand et le plus vaillant de tous les combattants de la fratrie. Tu veux un autographe, c'est ça? Laisse-moi 2 secondes pour sortir ma plus belle plume. Lui, je vais le calmer, hein. Je vais lui mettre un coup de boule direct, là, il va se calmer. Bon, allez, montre-moi ton bestiaire, que je le dédicace. Quoi? T'es pas venu me demander un autographe? Ah, j'ai compris, petit coquin, va. Tu veux que je te parle de ce fameux primordial, pas vrai? Ah, il était coriace, ce téton. J'en ai connu des batailles, mais celle-là, crois-moi, c'était de loin la plus dure. Téton est si colossal que la terre tremble sous ses pas. Il martèle le sol et ses poings immenses piétinent ses adversaires comme des vulgaires fourmis. Mais il n'était pas assez rapide pour le grand Trachum. Esquive à gauche, hop, parade à droite, hop. Pendant ce temps, je faisais tourner ma hache tout autour de moi et dégommais sa corde de monstre. Prom, prom, prouch, coup de hache dans la tronche. Ok. Ça t'ennuie ce que je raconte? Je comprends. Tu veux savoir comment on a vaincu Téton, pas vrai? Ouais. Je pourrais te le dire, mais avant ça, tu dois m'assurer que t'es suffisamment fort pour tuer ces suppôts. Si t'arrives à abattre les rats qui rôdent près de la flotte grise, je raconterai mon histoire. Oh là, en plus, t'es en slip, bat ta bille, s'il te plaît, quoi. Enfin. De tuer des rats, genre, on parle de titans et tu demandes de tuer des rats. Enfin. Habito aussi un peu. Allez. Faut être rapide. Truc là où maintenant. Bien plus rapide. Hein. Allez hop, voilà, c'est bon. C'est pas le roi des rats là? Ah si, voilà. On disait bien. J'ai un petit souvenir de ça. On va revoir. Hein. Si c'est que ça. Je vois que t'es venu à bout, c'est Vermine. Merci à toi, l'ami. Ça fait des jours qu'on demande des éminés, mais j'avais trop la flemme d'en occuper moi-même. Pas le chien, va. Bon, tout travail mérite récompense. Je vais donc raconter ce que je sais. Je vois que tu brûles d'impatience d'en savoir plus à propos de Téton. J'aimerais te dire tout ce que je sais à son sujet, mais je peux pas encore. On parle d'un entier primordial, là. C'est une information importante. Comprends bien que je peux pas la donner au premier venu. Et c'est aussi sympathique soit-il. La confiance, ça se mérite. Cette fois, c'est pas des rats, mais un coupu fermier que tu vas devoir tuer pour moi. Je sais pas pourquoi, cette créature semble apprécier le blé fraîchement moulu et elle vient toujours saccager nos récoltes dès qu'elle a un coup de fringale. Bah, je pourrais m'en occuper dans un clin d'œil, hein. Je tiens à m'assurer que t'es pas du genre à prendre tes jambes à ton cou quand les choses se gâtent. Va à l'endroit que j'ai marqué sur ta carte et inspecte les environs. Et j'ai l'impression en fait qu'il se sert de moi depuis avant, en fait, et c'est assez chiant, en fait. Ce goubu. Il est là. Mon vieux goubu farmer de Final Fantasy 11. Hein. Les mobs qu'on s'amusait à farm justement, des heures et des heures et des heures sur FF11 pour se faire de l'oseille là. Ouais. Quoi, t'as vraiment tué ce goubu fermier? Ça alors, tu te débrouilles mieux que je pensais. Il fait défoncer. Hein. Enfin, t'es encore loin d'égaler le grand Trachum. Il m'aurait fallu moins de 2 secondes pour abattre cette créature. Un peu le Marseille quand même, frère. Comme ça.
Je t'ai dit que je racontais mon histoire si t'abattais le goubu fermier, mais je me rends compte que cette tâche était beaucoup trop facile. Je vais donc te demander de... Dis donc, monsieur Trachoum, c'est bien beau de discutailler avec les aventuriers, mais il serait peut-être temps de vous mettre au travail, vous ne croyez pas? Vous n'êtes pas capable d'abattre ce goubu fermier, dites-le moi et je trouverai quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Oh, oh, rassurez-vous, patron, cette créature est plus qu'un mauvais souvenir. Le grand Trachoum lui a réglé son compte pour de bon. Ah oui? Je serais curieux de savoir comment vous êtes pris pour l'abattre. Racontez-moi tout en détail. Attendez, faut que j'éternue. Voilà. Eh bien, je suis allé avec ma hache. Et puis, je lui ai donné un petit coup, là, sur la tronche. Et enfin, voilà, quoi. Vous avez qu'à demander à cet aventurier, si vous ne me croyez pas, il a tout vu, lui. Votre récit manque de conviction, si vous voulez mon avis. Ne serait-ce pas cet aventurier qui s'en aurait occupé à votre place? Il a l'air beaucoup plus aguerri que vous, en tout cas. Oh, dites donc, vous savez à qui vous parlez? Je suis un mercenaire de la fratrie des Gabiers, je vous le ferai dire. J'ai vaincu le célèbre primordial Téton, moi, alors un peu de respect, s'il vous plaît. La divinité que les kobolds vénèrent s'appelle Titan et pas Téton. Non, mais c'est que c'est le surnom qu'on lui a donné à la fratrie. On l'appelait comme ça parce que c'était plus rigolo, voilà. Je n'ai par-dessus la tête de vos histoires à dormir debout. Je refuse de gaspiller mes précieux guilds avec un tir au flanc. Suivez-moi dehors. Si c'était vraiment vous qui avez tué cette créature, alors vous n'aurez aucun mal à vaincre ces aventuriers en duel. Je vous préviens, si jamais vous perdez, vous êtes renvoyé sur le champ. Ah ouais, bah frérot, hein. Pas de champ, hein. Arrête pas comme ça. T'as pas le choix, c'est tout. Allez. Je pense que ça va être assez expéditif. Toi, je suis plus fort que toi, je vais te proposer un petit jeu. Celui qui trouve son rechamp premier à gagner. Si jamais tu me mets KO, c'est fini. C'est moi ou les gros rochers, ils ne sont pas de la même taille, mais moi je dois ouvrir. Évidemment, le plus petit. Ça m'a attaqué le bâtard. Hein. Quel chien. Du silence. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a slide. Ah, il y a une bombe, j'ai même pas fait gaffe. Bon, j'ai gagné. Allez hop. Bombe ou pas, ça change rien. Pardonnez-moi, j'ai menti. Je suis qu'un mercenaire de Pacotti. J'ai jamais été membre de la fratrie des Gabiers. Sans blague. Bah, j'en étais sûr. Monsieur Trachoum, j'ai le regret de vous informer que vous êtes renvoyé par fraude et incompétence. Enfin, pour fraude et incompétence. Oh non, pitié, laissez-moi une chance de me racheter, je vous en supplie. J'ai menti, j'avoue, mais j'avais une bonne raison de le faire. Quand je travaillais à Costa del Sol, mon chef était un ancien mercenaire de la fratrie des Gabiers. Quand j'étais dans son équipe, je racontais partout que j'étais moi aussi un membre de ce fameux groupe. Au début, j'ai savoir plaisanter, et puis les offres d'emploi se sont mises à pleuvoir. Je voulais plus reculer, moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé prisonnier de mon propre mensonge. Je cherche des informations sur Téton, Titan, pas vrai? Dans ce cas, va à Costa del Sol et parle à Westkite. Tu verras, c'est un vrai mercenaire de la fratrie, lui. Je viens de donner une information en or, alors si tu pouvais me rendre l'appareil en demandant au gérant de pas me virer, ça serait vraiment sympa de ta part, hein, s'il te plaît. Bon, allez, faites un effort. Allez, en route pour Costa del Sol. J'espère qu'il fera beau temps là-bas. Et c'est là que l'histoire du pinard et du fromage va commencer à se mettre en place. Un bon claquos qui va nous envoyer dans une instance d'ailleurs. Je veux savoir comment éliminer Titan et pourquoi faire. Parce que ce primordial a commencé à aspirer les terres de la région. Si on ne l'arrête pas rapidement, l'Imsa risque d'être rayé de la carte. Ah, vous n'y arriverez jamais. Vous n'avez pas de taille face à cette créature. Laissez tomber. Je vous ferai remarquer que cet aventurier est déjà venu à bout d'Ifrit. Il possède un don spécial qui l'empêche d'être soumis à la volonté des primordiaux. Nous avons conscience du danger que nous encourons. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes venus vous trouver. Nous avons besoin des lumières du vice-capitaine de la fratrie des Gabiers. Ah. Ignorer l'existence d'un tel pouvoir.
Les mercenaires de la fratrie étaient tous des casse-cou, des lascars qui étaient prêts à tous les sacrifices pour assurer le prestige et la renommée de leur famille. Enfin, on dirait Vin Diesel, quoi. Nous avons affronté de nombreux primordiaux, mais Titan est de loin le plus puissant. Nombre des frères d'âme ont perdu la vue. la vie, pas la vue. Vous me dites que vous avez battu Ifrit, mais je n'ai aucune preuve de ce que vous avancez. Peu importe que vous le croyez ou non, nous avons une mission à accomplir. Nous entendons bien à la mener jusqu'au bout. Nous devons protéger Limsa Lumunsa. Nous devons sauver Eorzea du danger qui plane sur elle. Ah, j'ai perdu de nombreux camarades en combattant des primordiaux. Le 7ème fléau a également emporté plusieurs de mes frères et sœurs. J'ai moi-même été grièvement blessé dans cette catastrophe. La fratrie des gabiers a été dissoute, mais comme vous le voyez, je continue à travailler comme mercenaire. Aujourd'hui, je suis le capitaine de la garde personnelle du seigneur Gigeruju. C'est un poste important qui requiert une présence quotidienne pour faire face à toutes les tâches qui m'encombent. Je veux bien vous donner quelques tuyaux sur Titan à condition que vous m'aidiez d'abord. Mais on n'a pas que ça à faire, nous, la menace est imminente. Ça, c'est vous qui le dites. Je vous ai proposé une solution, à vous de voir si elle vous convient ou pas. Sachez toutefois que l'entrée du volcan Dogmoro est bien cachée. Vous perdrez sans doute plus de temps en cherchant vous-même qu'en m'aidant ici. Ça me fait mal de l'admettre, mais bon, il a raison. Nous devons lui montrer que ta force est bien réelle et que tu es un aventurier digne de confiance. Je vois que vous avez pris votre décision. Bien, bien, bien. J'espère que vous avez des serviettes dans vos sacs, parce que vous allez suer, là. Écoute, je ne pense pas qu'on ait besoin d'être deux pour accomplir ces basses besognes. Je vais donc en profiter pour enquêter dans les environs et voir si je peux pas recueillir des informations. Ça marche? En gros, je fais tout, quoi. Pour tout ça, en fait, le truc. Ok, donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va commencer par une tâche très simple. Même mon... Je sais s'est barré, il a pas envie. Il y a un Nyx cloqué affamé qui dévore tous les poissons qui ont malheur de s'approcher tout près, surtout les plus gros. Quel don d'agacer le seigneur Gigeruju. Enfin, je peux être Gigeruju ou Gigeruju. Je vais donc te demander d'utiliser ce gros harangue pour partir la créature et de l'abattre. Bon, classique. Classique, on bute tout le monde, quoi. C'était le seul, évidemment, hein. Clin d'œil direct à FF7. Hein. Bon, ça, je pense que vous savez tous. Je pense que vous êtes tous fans d'FF7. En général. Je vous ai dit à quel point j'aime pas FF7, je pourrais en parler longtemps. Mais bon. Enfin, pas que j'aime pas FF7. Je le trouve bien. Mais... un peu surcoté quand même. Je sais pas, on parle que de lui et tout. Alors que... je peux très bien faire l'ancien et dire ouais, FF6 c'est mieux qu'FF7. Même si je le pense, bien évidemment. Mais si vous voulez comparer, même FF9, qui est sorti pas longtemps après, vous met à des années-lumière d'FF7, hein, clairement. D'ailleurs, jouez FF9, d'ailleurs. C'est vraiment un excellent Final Fantasy, et clairement, il mérite sa place dans le top 3. Hein. Bon, on sait tous que c'est FF14 qui est le meilleur FF, maintenant. Pour plusieurs raisons. Ça se voit peut-être pas dans ARR pour l'instant, mais vous allez voir plus tard, au fil des extensions, c'est incroyable. Alors, tu m'as apporté la cuisse de crapaud, hein. Drouille pas mal la bleusaille. Maintenant, on va corser un peu l'affaire. Bon, je vais t'expliquer ce que j'attends de toi. Un personnage important et attendu prochainement à Cosa del Sol et Monsieur Gigeruju souhaite organiser un grand dîner en son honneur. Le seigneur a décidé de sortir le grand jeu pour l'impressionner et il voudrait lui servir des plats cuisinés avec les produits les plus rares et les plus raffinés du pays. Son travail consiste à réunir ce qu'on appelle les trois merveilles d'Eorzea et aussi une bouteille de vin digne d'accompagner le destin. Le destin, pardon. Putain, j'y vais arriver. Tu trouveras le premier ingrédient dans la forêt du sud. Va parler à Landenel au camp des Centres Tranquilles. Ce vigile sombre a combattu à mes côtés autrefois. Seras-tu guidé dans cette quête? Ok, bon, blablabla. On va devoir retourner là-bas. On fait des putains d'aller-retours. Je suis sûr. Hein. On va aller là-bas. Il va nous dire, ouais, vas-y, tue un morbol ou tue une connerie, là. Il va faire, ok, tiens, et après on va repartir. Genre, on sera resté dans la forêt du sud pour une quête. Je dis ça, mais je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Vu qu'ils ont cut beaucoup l'épopée. Bonsoir, voyageur. En quoi puis-je vous aider? Ah, vous êtes l'aventurier dont m'a parlé Westgate. Ça va vite, hein, les messages. La merveille que vous cherchez se trouve effectivement dans la forêt du sud, mais c'est très dangereux de s'y rendre. On ne compte plus les aventuriers qui sont morts en cherchant à satisfaire le palais des gourmets. À votre place, je prendrai pas de risque, moi. Je vois que le danger ne vous fait pas peur. Dans ce cas, je vais vous aider à mettre la main sur un bel œuf d'Adaman Kellon. J'avais justement besoin de me changer les idées, moi.
Allez, je réalise que je ne suis pas encore présenté. Je suis Landenel, lieutenant de la 6e lance des Vigiles Sombres. Ma lance et ma personne sont à votre service. Vous le désirez, bien sûr. La petite histoire, j'ai choisi de retourner dans ma gridelle. Mais je m'en fous de ton histoire, dis-moi juste ce que je dois faire. Si possible, j'aimerais que tout ceci reste entre nous. Mais je... Allez. Ouais, voilà, merci. Ok. Ok, vas-y. Il est où ? Bon, allez, merci. Il m'énerve, j'ai pas envie d'écouter son histoire, là. Pas que ça à foutre d'entendre des PNJ parler de leur vie, après on les revoit plus, de toute façon. Et pouf ! Oh, il y a le bestiaire ici. Bon, attendez, je vais en profiter. Bon, c'est bon. On va tout désinguer. On peut y aller. C'est grosse celle-là. Hein. Bah, elle est morte. On va prendre l'œuf et on va se casser. On dirait Monster Hunter là. Un problème ? Oh, tiens, j'ai l'œuf. C'est bien ce que je crois, ça alors, vous êtes un sacré gaillard. Je me charge de faire parvenir cet œuf au vice-capitaine. Ne perdez pas une minute et mettez-vous en quête de la deuxième merveille. Allez, elle aussi s'oublier dans Talalan méridional et parlez à Udot Noon. Cette micote est aussi un ancien mercenaire de la fratrie. Eh, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. J'en étais sûr. Et là, ça va être pareil. Ah, faut juste pas oublier qu'il y avait plein de quêtes à faire à chaque fois entre. Voilà, c'est pour ça que... On le sentait pas trop ce truc là, mais là c'est vrai que là on le sent bien quoi. Ah c'est toi Dooley, Landenel a prévenu de ta visite. Alors comme ça il paraît que Wastekite t'a demandé de réunir les trois merveilles d'Erzea pour son patron. Je suis sûr que t'as fait un long chemin pour venir jusqu'ici, mais je suis au regret de t'annoncer que tu adores te débrouiller tout seul. J'ai nullement envie de perdre mon temps à aider un étranger moi. Je ressens pas, merci. Ah t'es encore là toi ? Landenel m'a dit que t'avais réussi à t'emparer d'un œuf d'Adman Kellon. T'es plus fort que t'en as l'air. Il en faut plus pour impressionner et les nous des U. Les nous des U. Dans notre tribu, il y a que la force qui compte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai rejoint la fratrie des Gabiers. Je voulais me mesurer aux adversaires les plus redoutables des Orzea et apprendre de nouvelles techniques de combat. Je respecte Wastekite, mais si tu veux mon aide, tu dois d'abord gagner mon estime. Bon, comme d'hab, hein. Bon, allez, blablabla. On va aller faire la bagarre. Il va être content, il va nous donner le truc et on va se barrer. Quoique lui il a l'air un peu plus chiant donc je pense qu'il va nous donner deux quêtes peut-être. Ah le désert la nuit ça a quand même de la gueule. Hein. J'ai trouvé ça joli les déserts moi. Je sais pas, c'est peut-être que ce soit unicolore comme ça et tout, que ce soit grand, perte de vue, je trouve ça beau. Ça m'a pas rappelé de journée sur PlayStation là. Le jeu indé, il était grave beau. Genre de jeu là, on m'avait dit ouais fais-le, tu verras et tout, il y a un truc qui est extraordinaire et tout. Et j'étais pas du genre à faire les jeux comme ça à la base, moi je me dis ouais bon, les mecs ils abusent, ça a l'air chiant et tout. Voilà. Et en fait j'ai fait le jeu. Alors effectivement, déjà le jeu est très court mais ça c'est pas très grave. Mais au début de l'aventure je trouvais ça ok, genre en mode ok, bon bah j'avance tout droit et tout, il se passe pas grand chose. Mais il y a un moment dans le jeu là, quand tu rentres dans un genre de temple et que tu descends en surfant dans une spirale là, wow, ce moment, c'est... Je sais pas, j'étais en mode waouh. Vraiment ça a déclenché un truc là, j'étais en mode ah ok. Ok je comprends. La fin, tout ça, quand t'as un mec qui t'aide et qu'après la fin vous allez t'accompagne pour aller jusqu'à la fin et tout, je trouve ça... Le jeu est vraiment top, vraiment. Il méritait toutes les éloges quand même. Donc ouais, des fois, vous entendez du bien des jeux indés, c'est pas forcément des hipsters. C'est souvent le cas, malheureusement. C'est pas forcément des hipsters. Et il vaut mieux tester, sans même pour en être sûr. Ok, bagarre. Pas bagarre. Bagarre. Oh, carrément. Ça dégage.
retourne là-bas. Par contre, s'il me dit déjà casse-toi, va ailleurs, c'est que ça va quand même un peu vite. D'après mes souvenirs, c'est surtout la bouteille de vin qui est un peu plus à avoir. Apporte-moi le collier, hein, je vais trouver la merveille qui est là. Donc t'as vaincu cette vermine, la mixture que j'ai donnée t'a bien aidé je suppose. Les amalgas sont des créatures qui s'hydratent peu quand on... Ah mais pourquoi j'ai encore cette fiole dans la main? Attends, me dis pas que j'ai oublié de te la donner. Reviens pas, t'as réussi à tuer Tanadgad, le brise-pierre, sans l'aide de cette potion. Ça alors, j'avoue que je suis impressionné. Ah, tu commences à me plaire. Donne-moi des sous. J'en ai connu des aventures téméraires dans ma vie, mais toi, t'es de loin le plus incroyable. Crois-moi, si la fratrie des gabiers existait encore, je t'aurais invité. Que dis-je, je t'aurais même forcé à nous rejoindre. Bon, chose promise, chose due. Je vais te dire ce que je sais au sujet de la deuxième merveille des Orzea. L'ingrédient qu'il te faut, c'est de la viande de vers de lambeton. Tu peux t'en procurer sur des vers de lambeton. Malheureusement, ces créatures sont très rares. Tu vas me dire que le désert grouille de vers, mais ceux qu'on trouve ici sont tous des mâles. Le goût de la viande n'est pas le même. Rassure-toi, le grand chasseur que je suis connaît un moyen d'attirer cette bête. Ok, donc ils vont encore me donner un truc. Let's go. Ah, chasse était bonne. Tiens. T'es décidément pas un aventurier ordinaire. Non, t'es même au-dessus du lot. Ta force et ton courage sont dignes de la tribu des U. La viande de ver de lambeton se conserve très mal. Il va donc falloir la fumer pour éviter qu'elle pourrisse en route. T'inquiète pas, je vais m'en occuper. En parlant de Westgate, il va falloir que tu retournes le voir à Costa del Sol pour en savoir plus sur la troisième merveille, car j'ignore où la trouver. D'ailleurs, tant qu'on y est, j'aimerais que tu donnes ce petit cadeau de ma part. Attends, laisse-moi une seconde pour le retrouver. On va level up encore. Je voudrais que tu portes cette bouteille de brandy onyx à Westgate. Ah, le vice-capitaine en a bavé avec moi. J'étais encore un jeune à l'époque et je débordais d'énergie et j'avais envie de tout casser. Les autres mercenaires me surnommaient le tueur froid au sang chaud. Westgate m'a aidé à canaliser ma fougue et c'est grâce à lui et à ses conseils avisés que j'ai pu devenir aussi fort. Je dois énormément. Bien, il ne reste plus qu'un ingrédient à trouver. Retourne à Costa del Sol, va parler au vice-capitaine. Il nous paie le cadeau. Deux quêtes, hein, j'avais raison finalement. C'est dingue comme ça a été vraiment raccourci quoi. C'est pas plus mal, mais en même temps c'est bizarre parce que bon, on reste pas longtemps dans les zones quoi. Eh ben t'en as mis du temps. Donou m'a dit que t'avais quelque chose pour moi. Qu'est-ce que tu m'apportes de beau? Parlez doux, c'est une bouteille de brandy onyx. Ah, il me tarde déjà de l'ouvrir. Mais avant ça, je vais t'expliquer comment faire pour trouver la dernière merveille. Je t'écoute. Je ne connais pas l'emplacement exact de la dernière merveille, mais Breflox, mon ancien officier de la logistique, pourrait t'en dire plus, elle. Cette gobeline habite tout à l'ouest de l'océan oriental. Aussi, pour gagner du temps, je te conseille d'aller voir mon camarade Uzun Nazun, okay, de la chute cachée. Dis-lui que tu viens de ma part et il t'aidera à traverser la rivière d'Agilis. J'ai entendu dire que Breflox avait des ennuis récemment, mais j'espère qu'il n'est rien arrivé de fâcheux. Bon bah, on arrive déjà bientôt à la prochaine instance. Déjà, moi qui voulais arrêter l'épisode maintenant, du coup je suis en train de me tâter. Ah, ça fait 52 minutes de mon côté, j'ai quand même du montage à faire. Écoutez, on va rester là, et les prochains épisodes, on va enchaîner la dernière merveille, qui va nous envoyer du coup dans un donjon, le bivouac de Breflox. Et donc je pense qu'on va faire les prérequis du donjon et le donjon directement, comme ça, c'était dans un épisode. Allez, on va s'arrêter là. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous kiffez, amusez-vous bien, et on se voit plus tard. Ciao, ciao.